Allez, c'est parti. Je t'en prie. Bonsoir à tous. On se retrouve à Beau Séjour pour cet avant-dernier match à domicile de la saison de N1, de cette phase de poussée. Ce soir, je suis pas tout seul. Je suis accompagné du plus beau, du meilleur. Oh là là. Et du volleyeur. L'homme le plus maigre de France, Maxime Poucouneau. Tout est vrai, sauf pour le fait que je sois maigre, en effet. Donc, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez une grande soirée. En tout cas, nous, il fait grand beau, grand chaud au Sable d'Olonne. C'est incroyable. Vivons la fin du match, on va aller sur le bord. Ouais, mais il fait pas beau. Hein. Bon, et ce soir, match un peu spécial. Les Sables qui s'opposent au Centre Fédéral, l'INSEP, les petits genoux. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le basket, c'est une équipe des meilleurs potentiels, âgés entre 15 et 18-19 ans. Donc c'est des petits jeunes qui vont s'affronter contre toutes les équipes pro. Cette équipe ne peut pas descendre, donc leur classement ne compte pas pour nous. Et pendant qu'on parlait, il y a Christopher qui a percé un ballon. Il y a Henri Sobreno qui a mis une belle flèche à 3 points. Est-ce que tu pourrais nous faire le 5 côté sablé, s'il te plaît? Allez. Côté Paul France, on va commencer sablé, ouais. Et 5 côté sablé avec Louis Prolac, Christopher Manerlax, Thomas Klein, Rob Ukaouba et Jean-Michel Mipoca. Côté INSEP, Max. Tu le fais, je le fais. Bon, allez, je le fais. Côté INSEP, le numéro 3, Mohamed Diakité. Le numéro 1, Talik Soulac. Le numéro 16, Jonas Boulefa. Le numéro 11, Henri Soprano Mbungolo. Et le numéro 28, Noah Kwaku Wege. Les Sablés ont du mal en ce début de match. 2 minutes et pas un panier. Allez, Prolac qui trouve Mipoca. Ukaouba. Klein à 3 points. C'est raté. Pas forcément réussite hein, pour l'instant pour ce début de match pour nos Sablés. Belle défense des petits jeunes du Pôle France. Allez, Ukaouba, côté Sablé, qui drive, il va jouer au poste bas. Et la faute sifflée. Au numéro 16, Boulefa. Et comme tu l'as dit Max, il fait beau au sable, il fait chaud. Et Beau Séjour est rempli. Oh, c'est un gros mot rempli quand même. Hein. T'es gentil là. Hein. Ouais. C'est que tu veux vendre du rêve aux gens qui regardent la télé, ouais, mais bah c'est pas oui. Vrai. De toute façon, ils voient pas. Mais de toute façon, ils le verront pas. Allez, Manerlax. Oh. Qui rate le N1. Qui provoque la faute sur le numéro 28. Match important quand même hein, pour les deux équipes. Bah pour les équipes, non, pour le France, ils vont pas descendre, ils s'en fichent, mais. Et nous lancer pour le numéro 13. Oui. Match plus qu'important, puisque si les Sablés veulent se maintenir, ils doivent faire. Enfin, être sûr de se maintenir, ils doivent faire 3 sur 3. Et s'ils font 2 sur 3, il faudra prier pour qu'il y en ait qui perdent. Bon, le but c'est quand même de gagner. Hein. Bon, le but c'est quand même de faire 3 sur 3, c'est plus simple. Et Christopher Manerlax s'est converti ses 2 lancers. Par contre, ils sont quand même bien grands avec des grands bras et des très athlétiques hein, les joueurs. Il a quitté à 3 points, c'est raté. On peut le dire quand même aussi hein, que Paul France a quand même été amputé de son meilleur joueur. Hein. Oh oui, qui est parti à 50 ans en Pro B. Mmh. Et qui fait des stats en plus en Pro B, hein, qui performe en Pro B quand même. Par contre, on me dit dans l'oreillette, Max, que l'arbitre aurait oublié son pantalon. Il a mis son pantalon de costume. Ah, mais c'est vrai en plus, oui, c'est vrai. Là, tu commences bien le match. Lui aussi, il vient en vacances au sable. Lui, il vient en vacances aussi. Grosse défense de Thomas Klein. Hein. Oh, mais gros tir de Talis Soulac. Hein.
sur le nez de Thomas Clay. Allez, Prolac avec la balle. Oukaouba. Manerlax. Prolac à 3 points, il est loin. Il a mis un juste avant, hein. Il a raison de le prendre. Allez, il tape la cuisse en manque de réussite. Hein. Les tirs ouverts qui tombent pas dedans. 5 partout. 6 minutes 16. Dans ce premier quart. Et premier changement côté Sablé. Entrée en jeu de Fred Loubaki et sortie de Robert Oukaouba. Soulac avec la balle. Diakité qui drive. Loubaki. Ouh, la belle passe. Loubaki à nouveau. Tout est un peu compliqué hein, pour l'instant, on se et ça défend plutôt bien. Oh, marché. Thomas Kane qui faisait du hand tout ça là. Il fait 3 pas. Allez, il a quitté. Là, oh, oh là, il... la prière. Il savait pas s'il devait tirer, faire la passe. Ils sont en place hein, les petits là. Oh. Ils défendent hein, mine de rien. Et passe pour Stéphane Lamour dans les gradins. Le cuisiniste. C'est vraiment lui, c'est vraiment lui. Et c'est vraiment lui en plus. Allez, sous like. En tout cas, beau séjour, dors ce soir. La chaleur. Oh là là. Ça va vite, hein. Soprano, ça va très vite, hein. Ah oui. Même avec mes joysticks devant la télé, je vais pas aussi vite dans NBA 2K. Loubaki, qui drive, la spéciale Loubaki, qui va aller attraper de lancer franc. Et la deuxième faute, c'est au numéro 28, Loa Kwaku Wege. Allez, entrée en jeu du numéro 20, Elien Toa. Numéro 2, Hugo Maxence, Ilia, et deux lancers francs pour notre meneur Fred Loubaki. C'est calme dans la salle là quand même, hein. Oui, pas grand monde. Hein. Et premier lancer franc raté. Deuxième pied dedans, 6 à 7 pour l'INSEP. 4 minutes 43 dans ce premier quart. Et là, Diakité. Oh oui. Alors, il a arraché le cercle. Ouais. Allez, le public, vous êtes là ou pas? Faute offensive sifflée. J'ai pas vu moi. En fait, tu lui as fait un box-out, enfin, écran de retard, mais c'est pas sur un tir. Et du coup, l'arbitre a estimé qu'il bah, n'avait pas le droit. Allez, Loubaki, côté Sablé. Oh, belle passe pour Manerlax. Thibaut Alexis à 3 points. Et c'est dedans!
9 à 7 pour le LSVB. Black. Le petit tir. Le point de numéro 3. 16 ans, 9 partout. Wow. Ça maillotche, hein. Là, ça maillotche, hein. Il y a un duel, là. Dans les deux cas, ça mange bien la cantine, hein. Wow. Allez, ça se réveille, ça se réveille. Et la deuxième faute sifflée au numéro 20, Entoa. Tu vas donner deux lancers francs à Christopher Manerlac. Les deux intérieurs de l'INSEP ont déjà deux fautes. Ça ne va pas arranger leurs affaires. Et deuxième lancé franc converti. Défense et sa défense. La zone 13 qui retarde plutôt bien la montée de balle. Oh, bien joué. Enfin, chance, mais bien joué. Il n'y a pas trop de solutions pour l'instant là, côté Pôle France. Un peu compliqué, un peu casse-coute au 24. Oh bah non, Dudu il l'a pris, hein. Et toi, ouais, c'était sa balle, hein. Il a arraché des mains de François Matip. Il est là. Eh, hey, Boulefa il a un banc en plus. Faut pas laisser tirer. Il avait fait mal à les matchs aller, hein, Boulefa. Il avait fait genre 4, 5 à 3 points ou 5, 6 à 3 points. Et 3 lancers francs convertis par Boulefa. 10 à 12 pour l'INSEP, 3 minutes à jouer. Un premier carton qui est assez long, hein. Bado. La défense de zone, elle perturbe un peu les sablés, la défense de zone. Allez, du bruit pour les sables, du bruit. Des pirates, je ne vous entends pas. La gamelle pour Joris Bado. Oh là 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 là. Bébé. Alors là, va falloir changer le ballon, Max, hein, parce qu'il est parti dans la jeep. Oh là là là. Allez, 10 à 12, temps mort. On est en train de me dire dans l'oreillette qu'il y a Laurent Tilly, le sectionnaire de l'équipe de France de volley, qui l'a contacté déjà pour aller faire les JO cet été.
Mendes. T'as pas de feuilles? Allez, on est reparti à bosser jour. Toujours 10 à 12 pour l'INSEP. Et Boulefa qui a pris un rebond off sur la tête de Manerlax. Putain, il y a 3 feuilles. Oh là là, à droite là. Et bonne défense, ça blesse. 24 secondes provoquées. Tu joueras ton autre, tu pourras parler. Oh là là! Et Magic Loubaki! Ah. Loubaki qui est passé entre les portes du saloon. Ouais, déposé un layup. Et 12 partout, hein, les nids. Ouais, c'est serré. C'est serré. Peu d'ambiance dans la salle. Ouais, c'est bon, c'est parti. Il a quitté. Bado, Thibaut Alexis, il en a mis un tout à l'heure. Et ils sont en place, hein, ils défendent dur là. Pépa. Hugo Maxence. À 3 points. Et c'est raté. Changement côté Sablaire, autour de Thomas Clay. Sortie de Christopher Manerlax. Allez, Loubaki. Alexis qui a offert la balle, il s'est fait avoir. Il a déjà quitté. Allez, gros rebond de François Matip. Et la zone derrière. Le petit filou Thomas Klein. Thibaut Alexis le reprend. Et contré. Et Denis Meta qui souffle sur le banc. Il a quitté. Hugo Maxence. Hugo Maxence à nouveau. Il va le prendre à 3 points. C'est raté. Pas beaucoup de réussite malheureusement pour le Pôle France pour l'instant. Bon, ça ressort plutôt pas mal. À part le coup de tir qu'ils ont mis. Allez, Loubaki qui a le dernier tir. 5 secondes sur la possession. Joris Bado, il les aime, ses tirs à 3 points. Oh, c'est raté. Et on va en rester là pour ce premier quart, Max. 12 partout. L'INSEP qui tient. Et qui tient très bien même. On se retrouve dans 2 minutes.
Allez, on se retrouve pour ce deuxième carton qu'on espère meilleur, parce que bon, c'est quand même pas joli joli. 12 partout. Les Sablés dans les difficultés en attaque, embêtés par la zone. Et les deux équipes avec un vrai manque de réussite au tir. Un petit point stat. Côté Sablé, meilleur marqueur. Trois meilleurs marqueurs avec 3 points. Thibaut Alexis, Louis Prolac, Christopher Manerlax et Fred Loubaki. Côté Centre Fédéral, meilleur marqueur avec 5 points. Henri Soprano et Mbumbolo. Et Max, quand je te dis qu'il y a un vrai pourcentage de tirs très bas, les Sables sont à 23% au tir en total et l'INSEP à 23% au tir. 3 sur 13 et 4 sur 17. Il y a des couvertes sur les bassines. Et tu vois, Rob te fait mentir. Voilà. Pour enlever un peu le... Rob a enlevé le couvercle au bout de 10 minutes. Beaucoup de 1 contre 1, Paul France. Le step back. Oh, belle passe. Gros rebond de François Matip encore. Loubaki, ça part vite côté Sablé. Oh, ah ouais, ouais. Et Soula qui va les finir tout seul, lui. Kaouba. Ah ouais, ils sont en place défensivement là. Et le ballon. La zone nous embête. Hein. Ouais. Elle est bien faite. Allez, Soulac avec la balle côté Centre Fédéral. Faille. Soulac à nouveau, Faille. Oh bah oui. Bah oui. Visitation un peu trop longue. Changement pour le SDV. Allez, et changement côté Sablé. Sortie de Thibaut Alexis, retour de Jean-Michel Mipoca. C'est franc converté. Soulac avec la balle. Il va finir tout seul. Il était facile, hein. Il avait le poignet au-dessus d'arceau quand même. Comme toi, Lénir, à l'époque. Oh oui. À l'époque des paniers poussins à 2,80. Et la faute siffle numéro 29, Faille, remplacé par Diakité.
Deuxième faute personnelle. Jean-Michel Lipoca. C'est franc converti par Jean-Michel. Et deuxième aussi. T'as les sous-là qui se promènent hein, ce soir. Mal embarqué, il garde la balle en main, il reste 8 secondes sur la possession. Okay. Match un peu à l'arrêt quand même. Hein. Ouais, c'est mou Max. Merci Christine. On lag. Écran Manard lag. 8 secondes sur la possession. La belle passe. Ouh. Ah là, c'était moins belle passe. Le panneau supérieur, on a pris un coup. Ouais mais non mais Chris il a vu Greg qui était sur le banc, le retour de Greg sur le banc. Ah, il a dit ça. Allez je lui fais l'extra passe. On a anticipé. Ouais mais Greg il avait pas mis les mains. Bah ni la tenue d'ailleurs. Ouais. Et Soulac avec la balle. Il a quitté. Soulac qui va jouer sur l'isolation. Drive. Oh mais là il est obligé ça de va vite, hein. Ça galope hein, quand même. Hein. Kaouba. Oh, oulala, je vais te dire. Mais Jean-Mi. Il est pas. Qui a quitté face à Manor Lax qui va peut-être le jouer. Tire mi-distance. Oh. Il y a des gamelles ce soir, hein. Heureusement que c'est pas moins 5 au baby foot. Oh la belle passe de Louis Brolac. Oh mais oui. Il a oublié le jus au vestiaire. Oh ah, c'était bien joué, c'est dommage. Ah mec, il a oublié ses jambes au silver. Oh ouais, parce que la passe. Et là on était dans court 15 de main. Passe dans le dos. Et Thomas Klein qui a pas appuyé sur le propulseur. Et qui s'est fait attraper par le meilleur contreur du championnat, Jean-Michel Larceau. Jean-Michel Larceau, bien connu des parquets. Là, je vois secouer la tête, il doit se dire, mais quel. C'est dommage. Pourtant, en plus, normalement, Thomas, il monte en plus. Ah ouais, ouais, il a du jus. Plus que nous. Ah, c'est pas, c'est pas compliqué. Hein, plus que nous deux réunis. Non, mais c'est pas compliqué non plus, hein, je te le dis. Et ils prennent des tirs très compliqués quand même. Bah après ça défend aussi un peu quand même. Ouais, ça défend un peu dur mais quand même. Oh bah oui, la feuille qui se barre en plus, hein, qui va se sortir. Allez, il reste 5 minutes de deuxième carton. Allez, 18 à 20. Un 20-18 pour les sables. Oh là là, passe dans les gradins. On n'est pas dedans, Aleni. Hein. On n'est pas dedans, on n'est pas dedans. Allez. Oh ouais, ouais. Non, ils veulent vraiment faire la passe à Greg. Oui, Greg, en fait, ils attendent leur tour avec impatience, je pense. C'est pour ça.
Oui. Allez. Soulac. Les mains de shipper de Manerlax. Ça fait une perte de balles supplémentaire. Autre. Et temps mort, demandé par l'INSEP, on se retrouve dans une minute. Premier lancer réussi pour Rob en sortie de temps mort. Si jamais il y en a qui regardent le match et qui connaissent Lenny, il est pas avec moi, il peut chercher des bières. Donc vous pouvez lui envoyer un message. Oh, deuxième lancer raté pour Rob. Le ballon qui fuit le cercle une fois de plus. ...21-18 pour les Sables, plus 3. Dans un match à ne pas perdre, surtout pour les Sablais. Soprano face à Manerlax, mi-distance. Et le rebond pour Jean-Michel Mipoca. Rabouka Ouba, oula vache. Pardon pour la caméra, c'est compliqué là, j'ai pas les mains partout. Ben voilà, vous avez vu Lenny, impeccable. Et de lancer pour le numéro 25. Bon, le truc. Rebouka Ouba. Bah non. Et de lancer franc pour Rebouka Ouba qui convertit le premier. Converti le deuxième, ce qui permet au Sablais de se créer un petit écart quand même, enfin. Plus 5, 23-18, à 4 minutes de la fin de cette première mi-temps. Le Pôle France qui attaque plutôt bien la zone presse. Hein. Mais c'était osé ça. Hein. Non,
Allez, Prolag, la belle passe encore. Et oh, c'est raté, c'est dommage. Mais Prolag qui avait fait une bounce pass. Oh. Et la faute derrière de Thomas Klein qui va être remplacé par Thibaut Alexis. Ouais, et c'est fort, hein, c'est fort Soulac. Soulac qui fait un chantier là. En percussion, il est partout. Hein. Bien joueur. Bah tous hein. Oui. Belle passe pour Manerlax qui va tout. Oh là là, qui lui a mis sur la courge, Max. Oh. Et temps mort demandé par l'INSEP. On se retrouve dans une minute. Et on se retrouve pour la fin de cette première mi-temps. Christopher Manerlax qui vient de rater son lancer franc et Louis Prolag qui vient de gratter 3 lancers francs sur la faute à 3 points du numéro 29 Faille. Premier lancer franc converti. Au top,
tu l'as payé, frérot. Oui. Gratos, c'est en off. Ouais, bah par contre, Max, j'espère que la deuxième mi-temps sera mieux parce que là c'est un peu mou. Allez, Soulac avec la balle. Yakité. Soulac à nouveau qui a beaucoup de ballons dans les mains. Qui va jouer Loubaki en ISO. Oh là là, qui est là, il est incroyable. Clairement lui qui tient son équipe au score là. Matip, Loubaki, oui, il drive. Ça se barre au bon, hein. Ça met des tirs, hein. ça met des coups. 8 secondes sur la poste, Oukaouba avec la balle, il va devoir faire un exploit. Loubaki, Oukaouba. Allez, ça commence à se battre, Max, je pense qu'il y a une petite réaction d'orgueil. Côté des Sablés. Soulac, il a 11 points sur les 21 du Pôle France. Ça va. 11 points, 2 passes D, donc c'est-à-dire qu'il fait au moins 15 points en création. Oh là, oh, la faute de Manerlet. Il l'a mis dans les chicots. Voilà. Et temps mort. Demandé par coach Denis Mété, on se retrouve dans une minute. Ah pardon, on a un petit problème technique là du coup sur les lanceurs, on n'a pas pu mettre le son plus tôt, désolé. Y'a rien qui marche à beau séjour, la sono, les arceaux, les commentateurs aussi ils marchent pas. Aïe. Loubaki avec la balle. Oukaouba. Ouais, la zone à 3-1 qui embête les Sablés. Puis saut, hein. Ouais, bah, ils ont des bras surtout. Ce que j'allais dire, puis ils ont des grands bras.
Allez, Dibolix, il faut le prendre celui-là. Aïe. 6 secondes sur la possession, Matip, le petit hook. Eh ben suspension de Boulefa, 30-24, et il lâche pas les jeunes. Hein. Ah. Étonnamment, Jean-Michel serait pas dedans. Ça pourrait arriver souvent, une de ces carrières. Non. Ça arrive. Même au meilleur. Et faute de Fred Loubaki de lancer franc. Au numéro 23, Henri Maxence. T'as pas de chargeur. Il en a déjà mis des comme ça, mais c'est raté. On en restera là. 30 à 25 pour cette première mi-temps. Les Sablés en difficulté en attaque. Et le centre fédéral qui lâche pas du tout, qui sont là et qui nous embêtent avec leur zone. Il va falloir faire des efforts supplémentaires pour gagner ce match, Max. On se retrouve dans 15 minutes. Le temps de boire une petite binouze.
Allez, on se retrouve pour cette deuxième mi-temps à beau séjour. 30 à 25 pour les Sables, plus 5. Et deux tirs ratés d'entrée pour les Sablés. Oui, pour la... Oh, ouais. Comment c'est pas sifflé ça? Les Sablés qui vont devoir faire les efforts pour augmenter l'écart, qui est pour l'instant que de 5 points. Et les garçons du centre fédéral qui lâchent pas et qui embêtent beaucoup les Sablés avec leur zone. On espère une deuxième mi-temps un peu plus, en tout cas dans la réussite, que la première, parce qu'on n'a pas mis un panton en première. Oh là là, la crêpe. Voilà, voilà, Maxime arrive avec une crêpe, il faut être concentré. Et pendant ce temps, Rambou Kaouba, lui, il est pas aux crêpes, il vient de marquer son petit lay-up, tranquillou Milou, plus 7 pour le LSVB. Allez, Soulac, qui a fait un gros chantier en première mi-temps. Et qui rate. Marché, sifflé. François Matip. C'est reparti avec Faye pour l'INSEP. C'est mal embarqué, Henri Maxence. Écran de Diakité. Kaouba, deux points qui s'élèvent. Sans mort, demandé par le coach de l'INSEP. 36-25, plus 11 pour le LSVB. On se retrouve dans une minute. Alors on a Lenny qui arrive pas à parler et on se retrouve sorti de temps mort. Deux grands éternuements. Oh, les feuilles de la mi-temps. Bon, on a brûlé. Merci. Allez, Prolac, ça part vite avec Lane. C'est raté, ça roule sur le cercle. Diakité qui repart rapidement. Oh lolo.
les Soulacs. On avait oublié le son, excusez-nous, pardon. Oh là là, les grands champions depuis le début du match. Oui. Oh, mais on est super. On est super génial, nous. Et Moulefa, Carty derrière. Non, il y a eu un temps mort depuis. On l'avait mis. En tout cas, merci papa de me l'avoir dit. Merci papa, c'est très gentil. Son premier lancé franc. Et Max, il y a du beau monde dans la salle ce soir. L'INSEP fait venir pas mal de coachs et de joueurs professionnels qui viennent voir le futur cru. Allez, Moulefa avec la balle. Soulac. Drive, le petit boulot. Oh, hop, hop. Oh là là. Très bien joué, hein. Il est fort. Et l'INSEP qui recolle à 4 points, Max. Ils sont encore là. Bien joué, belle passe. Oh, oh là là. Et pleine de beurre. Oh ouais, beurre sur la tartine ce matin. Et changement. Matip, il va aller laisser sa place à Jean-Michel Pipoca. Et la salle qui se réveille, Max. Au bout de 25 minutes de jeu. Moulefa, il a repris, il l'a repris. Oh. Oh, et Louis Prolac, la passe dans le cadre de démonstration. Louis Prolac. Encore une très belle passe de Louis qui va créer le 2 plus 1 de Christopher. Ça réveille la salle.
Et Loubaki qui vole à nouveau la balle. Oh non, oh, comment il peut la siffler de là? Et comment tu peux dire oh non mec, les gradins? On voit rien d'ici. Oui, oh, non, mais tu peux dire oh non toi aussi. Mais lui aussi, il était dans les gradins à l'arbitre. Il avec lui. Il a payé une bière. Ouais, allez. Bon, lui a acheté un pantalon à la mi-temps. Encore l'interception, Loubaki qui va la mettre en l'air. Oh, c'est dommage. Oh, Prolak, bien joué. Thibaut Alexis, oh oui. C'est un temps fort, là on est dedans, il n'y a pas de problème. Hein. Ça sent le Thomas. Ah, bon ben voilà, je parle trop vite, merci. Ento, oh là là, il a marché là. Eh bien, Henri Maxence, il n'hésite pas. Moins 6 pour l'INSEP. Loubaki qui annonce un play côté sablé. Et ils nous ont calmé notre euphorie en 2-3 secondes là. Hippoca FI va la remettre l'euphorie. Ah non. Il n'a pas le bras ce soir Jean-Michel. Hein. Ouais. Il nous a habitué à marquer du coup sur un pied devant 4 défenseurs et là, pas ce soir. Là, faut pas le laisser tout seul. Et côté résultat, on vient de me montrer que Lorient est à plus de 57-55 contre Furs chez eux. Si Furs pouvait perdre, ça nous arrangerait bien. LSVB. Fred Loubaki qui est à 5 réceptions dans ce carton. Pour la belle passe. Et voilà, oh là là. À mon avis, ce soir, maintenant l'axe, il passe plus de temps en l'air que par terre. Oui. Il a mis le cadenas. Et Hippoca au rebond. La dernière poste sera Sablaise. 10 secondes.
avec Magic Loubaki. Il les adore ça, il les adore. Chiffé. Et Thibault Léchy est 2 mètres derrière la ligne. Allez, on en restera là pour ce troisième quart. 50 à 41 pour les Sables. Plus 9. On espère que ça va continuer. On se retrouve dans 2 minutes. C'est deux lancers francs. Trois lancers francs, deux lancers francs. Le capitaine du Pôle France. Oh, bien, bah oui. C'est légèrement faute. Il n'y a que 6 points en ligne. Lui, il est incroyable. Les Van Erlax, pousse ça speed trop vite, mon Rizio. Il a juste la Thomas. Oh, il y a des jours, il était court quand même. Mais lui, il est jamais court. Oui, oui. Bon, ce sera quand même pas le meilleur match de la saison, Max. Hein. Oui, il est dit. Qui ça? Ah,
Allez, Prolac avec la balle, après ce rebond de Jean-Michel Mipoca. Écran de Manerlax, la belle passe. Oh ouais, oh ouais. Oh 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 oh. C'est un peu maillotché, hein, je sais pas trop, c'est parti très vite pour peut-être pas grand chose, je sais pas. Attention, monsieur l'arbitre, Jean-Michel Pantalon devrait mettre une anti-sportive. C'est ma sœur, ça, la vanne. Ah non, c'est un garçon. Qu'est-ce qu'ils vont faire, messieurs les arbitres? Il n'y a pas de lancer du coup, parce qu'il y a deux antisportifs, du coup il n'y a aucun lancer. Bah, normalement il y a lancé franc de la faute. J'en sais rien. Allez, Soulac avec la balle. Wow. Et but, Diakité qui a chambré. Oh, ça va mal finir ce match, mon Max. Ça va maillotcher, à mon avis. Parce que faut pas chambrer Manerlax parce qu'il va dunker sur tous les INSEP. Et au Kaoba qui fait parler ses biceps. Ses triceps et tout ce qu'il a en seps qu'on n'a pas. Oh non, pas le deuxième quand même. Ça part vite côté Sablet. Allez, toujours plus 5 pour les sables. Du Prolac. Oh, la petite passe compliquée. Oh. Il est long, Diakité, hein. Ah, ouais. Diakité, il est très très long. Il est très très long. Ah. Allez, plus 3 pour la LSVB. Tomor, demandé par Denis Mété. On se retrouve dans une minute.
Allez, on se retrouve pour les 7 dernières minutes de ce match. Un beau séjour. 53-50, l'INSEP qui tient bon, qui tient même très très bon. Les deux points en tête de raquette de Loup-Prolac. Ils font du bien. Plus 5 pour les Sables. Ah, il a quitté. Ah, bah, il... Prolac. Je l'aurais pas tenté moi celle-là. Ouais, moi j'aurais fait un petit lit, un petit kilo. Je l'aurais pas tenté celle-là. Et puis je l'aurais fait main gauche à droite. Oh, ouais, bien sûr que je le marque. À la Kéké Mourier. Offensive sifflée contre le numéro 28. Allez, bah, retourne Thomas Glein, sortie de Thibaut Alexis. Avec la balle, il drive, il le petit step back sur Soulac avec la faute. Et il a gratté 3 lancers, le filou. Quatrième faute, siffle au numéro 1. Soulac. Pareil, il est seul. Oh là là, il manque de réussite. Soirée oubliée hein, pour Thomas Klein. Il n'est pas dedans malheureusement ce soir. Il a déjà fait des très très gros matchs. Ce sera pour le prochain. Soulac, lui par contre, je crois qu'il est sur un gros... Ah ouais. Il a un premier bas robe. Et Thomas, demandé par le centre fédéral. On se retrouve dans une minute.
5 dernières minutes de ce match. Je crois que c'est monsieur. Et vous l'envoyez. Qui a pas mis un chute du match, mais là ça rentre. Mon papy, il fait du bien celui-là, Max. Et l'interception de Loubaki qui va finir tout seul. Changement.
Loubaki avec la balle, plus 7 pour les Sables. Ouais, le Cojuron s'est remis son joueur fort. Oh là 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 là. Il a dansé la salsa dans la raquette. Et Magic Loubaki qui fait passer les Sables à plus 9. Il va attraper deux lancers francs. Les Sables sont dans la pénalité. 2 minutes de la fin. Changement côté Sablé, on entend Christophe Norman Erlat, sortie de François Matip. Et de lancer franc pour le numéro 1, le centre fédéral Soulac. Et premier qui est converti. Deuxième aussi. Hippoca, Loubaki. Il faut faire tourner la balle pour les Sablés. On est devant. On va perdre de ballon bêtement. Prendre le meilleur tir de chaque possession. Et Hippoca, ça c'est un bon tir par exemple. Et ballon rendu aux Sablés. Loubaki, Prolac, Loubaki, et Hippoca qui est tout seul, qui a les mains bien ouvertes, il attend la perte de balle, Soulac, ça traverse vite, oh. Et il lâche ce ballon s'emparer, Prolac, Klein, Manerlac, qui va tout écraser! Côté INSEM, sortie du numéro 11 et entrée en jeu du numéro 29 Faille. 69-60, 1 minute 35 à jouer. Voilà, faire des stops et marquer encore un ou deux bâtons pour assurer cette victoire. Et c'est un stop. Manerlax. Prolac à 3 points, il est seul. Il le prend derrière. Miracle. Allez accorder. Allez accorder. Francis Fillon de numéro 18 de Louis. Et plus 10, plus 9 pour les Sables, plus 9 c'est Franck Diakité. Lane, le petit alley-oop pour Manerlac. Qui va tout éclater. Oh la connexion. Max.
Avec des visages qu'on connaîtra, Michael Riley et Brahim Dehou, et on espère que ce sera le match du 20e pour les Sablés. On vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao.